Le temps de l'Avent est propice au renouvellement. Il nous invite à vivre à nouveau ces attitudes fondamentales que sont l'écoute et l'espérance joyeuse. Par notre célébration et notre prière, essayons de discerner encore mieux les chemins neufs que le Seigneur emprunte maintenant pour venir jusqu'à nous. Préparons notre cœur et restons attentifs, car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Levons-nous et accueillons le célébrant. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, exprimons au Seigneur notre désir de l'accueillir en traçant sur nous le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui nous invite à lui préparer le chemin, soit toujours avec vous. Alors, bonjour à vous tous. Merci à Gabriel pour nous avoir apporté la lumière. Alors, ce matin, c'est un message d'espérance, mais aussi un appel à retrousser nos manches et à entrer dans de grands travaux. Il n'y a pas simplement la voirie de l'hiver qu'il faut préparer, mais des grands travaux pour réformer l'humanité en commençant par notre cœur. C'est un moyen défi, mais le Seigneur est là pour nous y aider et Jean-Baptiste nous indique le chemin. Alors, au commencement de cette Eucharistie, conscient que nous avons tous notre bout de chemin à faire, confions-nous à la miséricorde de notre Dieu. Que Dieu, dont le salut est tout proche, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père tout-puissant et miséricordieux,
ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. La parole de Dieu ce matin est plus qu'une bonne nouvelle. C'est la proclamation d'un nouveau commencement, de la renaissance possible d'un peuple et pourquoi pas de l'humanité, et dans l'Évangile, le commencement d'un nouveau monde. À condition, bien sûr, de faire confiance à Dieu, de se relever debout et avec patience et courage d'entreprendre des travaux de rénovation des cœurs et des infrastructures sociales qui s'imposent. Sommes-nous satisfaits de la situation du monde actuel? Voulons-nous changer quelque chose? C'est surtout, voulons-nous oser changer? Écoutons Dieu qui nous parle ce matin. Lecture du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout son être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu, selon saint Marc. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Je n'aime pas les traductions qui parfois sont des trahisons. Si vous avez remarqué, si vous avez suivi votre prière en Église, je n'ai pas lu tout à fait comme c'était indiqué. On disait commencement de l'Évangile. Bien, pour nous, un Évangile, c'est un livre. Or, pour Marc, ce n'est pas un livre, c'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on n'attend pas après, on n'écrit pas un livre. Aujourd'hui, on envoie peut-être un texto. Mais on se communique de bouche à oreille, si possible. Hein, une bonne nouvelle, il faut que ça se partage comme un petit feu de brousse qui se répand. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est à la fois le titre de l'Évangile, là on peut employer le mot, qu'a écrit saint Marc, mais c'est aussi un événement. Un commencement qui est comme un coup de tonnerre dans l'histoire du monde. Quand Dieu se décide à changer les choses, ça paraît. Dieu prend les choses en main. Tout comme à la première page de la Bible, Marc y fait allusion. Hein, quand vous ouvrez votre Bible, qu'est-ce qu'on y lit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Big Bang, rien de moins, c'est l'univers qui apparaît. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu. C'est un autre monde nouveau aussi qui est en train de naître. Saint Jean dira plus tard, après saint Marc, « Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. » Quand Dieu parle, ça compte, parce qu'il fait toujours ce qu'il dit. Commencement donc de cette bonne nouvelle. Saint Marc écrit son évangile entre 65 et 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 35 ans environ après la mort et la résurrection de Jésus. Marc, il écrit comme un journaliste. C'est un reporter qui suit l'apôtre Pierre, pas à pas, les premiers chrétiens aussi, et qui va nous raconter comment tout a commencé, ce qui s'est passé avec Jésus, ce que cela signifie que de le suivre, ce que ça a changé et bouleversé dans le cœur et la vie des croyants. Son style est vif, concret, rapide. C'est l'Évangile qui contient le moins de discours de Jésus. Mais on le voit à l'œuvre, on le voit, on l'entend. L'Évangile, le Christ, ne traîne pas, il faut que ça bouge. Ça va vite dans l'Évangile de Marc. On a dit de Marc qu'il n'écrivait pas aussi bien que saint Luc, l'historien, ou encore saint Matthieu, le théologien, avec tous ses grands discours de Jésus, ou encore saint Jean, le mystique, avec toute cette contemplation du mystère de Dieu fait homme. Foutaise. Une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de saint Marc, qui est le premier à écrire un évangile, c'est comme un scoop, c'est comme une manchette. C'est un topo en direct. Marc, c'est le plus court des évangiles, le plus vif aussi. Marc donne donc le titre de son écrit, La bonne nouvelle, comme un homme, un événement qui va tout changer. C'est la voix des premiers témoins, comme en direct. Marc va nous accompagner d'ailleurs toute cette année liturgique, avec bien sûr des épisodes de saint Jean, particulièrement au carême et à Pâques ou durant l'été. Mais c'est un peu comme un journal de bord de toute personne qui fait l'expérience de rencontrer Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et l'expérience aussi de quelqu'un qui se pose des questions. La foi n'exclut pas les questions. Elle n'exclut pas des doutes.
Elle n'exclut pas de demander, mais c'est qui cet homme-là? La bonne nouvelle, ce n'est pas d'abord un livre, c'est une histoire. C'est votre histoire aussi qui continue celle des premiers témoins. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes croyant. Croyant en qui? En Jésus. Et c'est aussi mon histoire. C'est un événement qui nous a jetés par terre et nous lance dans une vie nouvelle. Un événement réel tel que raconté par les premiers témoins oculaires qui ont vu et entendu Jésus de Nazareth. Marc, je vous l'ai dit, c'est un reporter, c'est l'actualité. Et si vous le lisez bien, vous allez voir que ça se passe aussi aujourd'hui pour nous. En lisant ce livre, vous pouvez dire, c'est de moi que ça parle. C'est une bonne nouvelle pour moi, pour vous, pour le monde autour de vous, pour toute la création. Un auteur, en parlant de cet évangile, a intitulé son livre « Comment ne pas l'aimer ». Le livre de Marc concerne donc d'abord Jésus de Nazareth, hein, ce maître, ce Messie attendu par les Juifs, mais aussi le Sauveur pour les païens. Messie, c'est en hébreu, Messia. Christ, c'est en grec, mais c'est le même sens au fond profond. C'est lui la bonne nouvelle. Mais attention, Marc nous tend un piège. Son évangile est rempli de questions. Celles que vous et moi, on se pose tout le temps à propos de Jésus. Qui est-il, celui-là? Et n'essayez pas de répondre tout de suite. Vous risquez de vous faire prendre comme l'apôtre Pierre, qui avait trouvé la bonne réponse, mais après ça, qui a appris à la dure que cette réponse-là, il ne la comprenait pas. Alors, il faut attendre avant de répondre. Il faut marcher, il faut suivre, il faut accompagner Jésus. Vous n'avez pas fini de découvrir Jésus. Et d'abord, quand l'avez-vous vraiment rencontré personnellement? Quand avez-vous rencontré Jésus dans votre vie personnellement? Et qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça peut changer encore? Parce que notre aventure avec lui n'est pas terminée. La bonne nouvelle peut commencer n'importe quand, dans notre vie, dans la mienne. Vous le saurez le jour où votre cœur sera rempli de joie et que vous trouverez en vous l'énergie de changer le monde, en commençant par vous. Le temps de l'Avent que nous vivons maintenant nous place devant un commencement possible, devant un nouveau départ, devant une bonne nouvelle à entendre, à digérer et à mettre en œuvre après. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'avenir de Dieu. Un Dieu qui a tout le temps devant lui, puis en même temps s'apresse. 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Un jour, c'est comme 1000 ans. Alors, n'attendons pas 1000 ans, nous. On est des humains, on vit sur terre. À toi, à moi, de nous décider à le prendre au sérieux, à nous réveiller en regardant notre monde et notre vie avec les yeux, avec le cœur de Jésus. Si Jésus pouvait nous parler directement ce matin, que nous dirait-il de l'état du monde, de notre monde? Déjà, on en a un écho dans la première lecture, ce beau texte du prophète Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple. » C'est déjà toute une mission qu'il nous donne. Vous ne trouvez pas que ce monde dans lequel nous vivons a besoin d'être consolé? Les femmes violentées, les enfants agressés, les réfugiés refoulés aux frontières, les Autochtones arrachés, jadis, à leur famille, à leur culture, à leur territoire, les Palestiniens qui viennent de perdre une fois de plus une dignité, nos aînés malades qui n'ont droit qu'à un bain par semaine et à des pâtes tous les jours. Ma sœur qui était en résidence disait, « Amène-moi surtout pas d'un restaurant italien, on mange des pâtes tous les jours à la résidence. » Et nos familles aussi, dans quel état? Toutes ces séparations. Nos ados livrés à la drogue, à la cyberdépendance. Vous avez sans doute vu cette semaine le documentaire extrêmement touchant, « Bye ». Tout ce beau monde n'a-t-il pas besoin d'être consolé? Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Quand donc commence la bonne nouvelle?
quand on se décide à plonger, comme Jean le Baptiste nous y invite. Plonger, c'est toujours risqué. On peut rester au fond, mais on peut en sortir. Le baptême, c'est plonger pour vivre et donner la vie. Jean baptisait avec de l'eau, nous dit saint Marc, au bord du fleuve Jourdain, aujourd'hui en Jordanie, avec tout un groupe, nous y sommes allés cet automne, renouveler notre baptême, mais conscient que ce n'est pas simplement le baptême reçu quand on était bébé, c'est un baptême qui nous engage aussi aujourd'hui. Tout le monde accourait à Jean le baptiseur. Pour plonger dans l'eau sale du Jourdain, il fallait le vouloir. Il fallait décider à changer, à mourir pour renaître. Il fallait reconnaître que tout seul non plus, on ne s'en sortirait pas. Nos fragilités, nos manques de courage, nos fidélités sans lendemain, nos aveuglements volontaires, nos dépendances, c'est ce qu'on appelait le péché. Hein? Jean-Baptiste présentera Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avant de penser à des petites affaires de rien, le péché du monde, c'est tout ça, nos manques de courage, nos fragilités, nos infidélités, nos aveuglements, nos dépendances. En reconnaissant publiquement leur péché, nous dit saint Marc. Avez-vous remarqué que publiquement, ou des fois entre amis, on préfère confesser les péchés des autres? C'est tellement plus facile. Dimanche prochain, en passant, nous aurons la possibilité de confesser nos propres péchés. Que ce soit dimanche après-midi ou dimanche soir à l'île Perrault, mais ce sera l'église ouverte pour la miséricorde de Dieu dans nos vies. Voix de celui qui crie dans le désert, nous dit saint Marc, Jean-Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Qu'est-ce qu'il y a de croche dans notre vie? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'être redressé et dans le monde autour de nous? Saint Marc pique cette expression au prophète Isaïe en se rappelant que le prophète avait ajouté « Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. » C'est des moyens travaux d'infrastructure, ça. Retrouvez vos manches, retroussez vos manches plutôt. C'est de votre cœur et du mien qu'il s'agit, de vos vies et de la mienne. Pour que la bonne nouvelle commence quelque part, nous sommes conviés à prendre des grands moyens. L'avant, ça commence aujourd'hui, quand on décide de changer, de prendre le chemin du Seigneur. C'est de vous et de moi qu'il s'agit. Oh, c'est pas toujours compliqué. Se faire des amis avec des réfugiés qui sont vos voisins peut-être dans votre quartier, ou avec des étrangers d'une culture différente, qui sont un peu perdus ici. Bien sûr, ils font tout pour s'intégrer, mais nous, que faisons-nous pour les accueillir? Aller visiter les malades au CHSLD, pas juste pour leur chanter des chants de Noël, mais y retourner à chaque semaine, à chaque mois. On manque de bénévoles dans ces résidences. Donner un coup de fil à une personne en deuil. Hein? C'est beau de dire mes sympathies, mais dans un mois, vas-tu t'en rappeler que cette personne est en deuil? Faire l'épicerie pour un père célibataire dont le frigidaire est vide quand il va accueillir sa fille. Ce sont aussi de grands travaux pour dégager notre cœur. Se débarrasser aussi des choses inutiles en se posant la question McSween, hein? En as-tu vraiment besoin? Tout ce que nous avons acheté au Black Friday ou que nous allons acheter d'ici Noël, en as-tu vraiment besoin? Et les gens à qui tu te destines, en ont-ils vraiment besoin? Alors, la bonne nouvelle peut commencer si on est capable de répondre à ces questions-là. Au lieu de se lamenter, de critiquer la société, le monde, se relever les manches et sortir là où passe Jésus incognito. C'est ça notre programme d'avant. Alors, près de chez vous, chez nous, nous pouvons ensuite sortir notre Bible en la dépoussiérant et commencer à lire saint Marc du début à la fin. Le plus court des évangiles, vous ne vous tromperez pas. Laissons Dieu nous parler au cœur, et comme dit Isaïe, tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Amen.
La parole de Dieu d'aujourd'hui se fait insistante. Préparez le chemin du Seigneur. Il y a dans notre communauté chrétienne des disciples missionnaires qui osent croire et donner de leur temps pour initier à la foi des jeunes de tout âge. À leur façon, ils construisent des nouveaux chemins d'évangélisation et préparent le terrain pour que le Seigneur puisse y semer sa parole. Alors j'invite des jeunes de Regalo Pasto, d'Ado Chemin et de la formation à la vie chrétienne à venir placer leur décoration dans l'arbre des témoins audacieux. À leur exemple, décorons notre cœur pour la venue du Seigneur. Alors j'invite les jeunes à venir porter leur étoile. Le Christ qui vient a besoin de disciples missionnaires qui osent donner de leur temps pour transmettre la flamme de son amour à tous. En répondant « Oui, nous y croyons » aux questions que je vais formuler maintenant, montrons notre désir de préparer le chemin du Seigneur. Croyez-vous en Dieu, le Créateur de l'univers, venu consoler son peuple et lui ouvrir un chemin de vie? Osez-vous y croire? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus, le Fils unique de Dieu, né de Marie, celui que Jean le témoin a annoncé, qui a vaincu la mort et dont la résurrection a changé le visage du monde? Osez-vous y croire? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui nous aide à construire une terre nouvelle, où règne la justice et la paix? Osez-vous y croire? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père et à la vie éternelle? Osez-vous y croire? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer aujourd'hui. Frères et sœurs, dans l'espoir de l'avènement du jour de Dieu dans notre univers, présentons notre prière au Seigneur et demandons-lui de nous révéler sa gloire. Révèle ta gloire, Seigneur. À l'Église que tu appelles à proclamer la bonne nouvelle du salut et à devenir un signe prophétique de ta venue, révèle ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. À ceux et celles qui, dans leurs difficultés et leurs épreuves, ont besoin de trouver soutien, écoute et consolation, révèle ta gloire, Seigneur. Révèle ta gloire, Seigneur.
aux pasteurs et aux personnes qui partagent leur mission de te faire connaître et aimer, révèle ta gloire, Seigneur. Aux hommes et aux femmes qui aimeraient croire que tu n'es pas en retard pour accomplir avec nous et pour nous tes promesses, révèle ta gloire, Seigneur. Aux membres de notre communauté qui célèbrent l'Avent et dont tu veux faire des messagers pour ouvrir tes chemins, révèle ta gloire, Seigneur. En ce mois de décembre, avec le pape François, nous prions pour que les aînés qui vivent leur foi mais sont tristes, que leurs enfants ne suivent pas leurs traces, afin qu'ils osent malgré tout transmettre leurs convictions et leurs traditions. Révèle ta gloire, Seigneur. Enfin, pour les peuples du Moyen-Orient et de Terre Sainte, livrés aux caprices des puissants, afin que malgré tout la paix et la justice fassent son chemin dans les cœurs, prions le Seigneur, révèle ta gloire, Seigneur. Dieu notre Père, accueille avec bienveillance les demandes que nous te présentons en toute confiance, car nous savons que tu nous écoutes et tu nous exauces par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Lucile Vernier-Pilon, de Jean Vianney Veilleux, d'André Robitaille, de Normand Laberge, d'Yvon Bissonnette, et aussi pour la protection de Thérèse Poussy. Et nous portons dans notre prière des paroissiens décédés depuis quelques jours, Roland Fortier, 57 ans, dont les funérailles ont eu lieu ici hier. Georgette Boutin, 84 ans, veuve d'Eugène Lalancette, dont les funérailles seront célébrées samedi à l'église Sainte-Trinité à 11 h.
et David Santerre, 88 ans, père de Gilles Santerre, maire de Pointe-des-Cascades, et pour lequel une liturgie de la parole sera célébrée dimanche prochain. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi toucher, Père, par nos humbles prières et nos pauvres offrandes. Et puisque nous ne pouvons invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Christ est déjà venu en prenant notre condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de toute consolation pour ton peuple, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, dimanche. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez. » Et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Thank you.
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une seule famille. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux que nous aimons, sur ceux que tu nous confies, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, à travers le monde, nous soulignons la Déclaration universelle des droits humains, décrété par les Nations unies à la fin des années 40. Cela nous rappelle que, d'une part, tous les êtres humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ont des droits, une dignité inaliénable, mais surtout, puisque nous sommes tous appelés à devenir enfants de Dieu, ou nous le sommes déjà par le baptême, c'est unis à eux que nous pouvons nous tourner vers notre Père commun et lui dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vendredi soir, nous fêtions l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et mardi prochain, après-demain, ce sera la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, signe d'espérance pour les peuples d'Amérique latine. Mais aussi en mémoire de ce pèlerinage que j'ai vécu avec plusieurs d'entre vous en Terre Sainte, et compte tenu de la situation, j'ai pensé qu'on pourrait s'adresser à Marie à travers cette prière Notre-Dame de Palestine, à laquelle nous avons d'ailleurs fait un pèlerinage au dernier jour de notre séjour là-bas. Alors, je vais en lire quelques extraits. Ô Marie Immaculée, gracieuse Reine du ciel et de la terre,
nous implorons de jeter un regard de bonté sur la Palestine, qui plus que tout autre pays vous appartient, puisque c'est là que vous nous avez donné le Sauveur du monde. Que resplendisse sur les peuples de la Terre Sainte le soleil de la paix et de la justice. Amen. Je vous signale aussi, alors je vous relance l'invitation, il reste encore quelques places pour l'expérience, l'activité Cloche et Brioche. Alors, un moment pour notre télévision communautaire d'entrevue avec, là ça donne que c'est moi, il y aura d'autres invités par la suite. Tout ça se passe au Centre communautaire de Vaudreuil, sur la rue Louis-Joseph. Et donc, bienvenue à tous. Il reste encore des places pour le brunch au coût de 20 $. C'est une façon d'aider la télévision communautaire et la paroisse à assurer la messe sur semaine par la télévision dans notre région et même jusqu'à Valleyfield et Châteauguay. Il reste quelques carnets de l'Avent au coût de 4 $ près de la crèche. Alors, un bon guide, même si vous avez déjà un petit bout de fait dans l'Avent, ça sera peut-être l'occasion d'intensifier votre préparation spirituelle. C'est toujours bien écrit, c'est concret, c'est un couple avec une famille qui rédige les réflexions. Je vous signale aussi dans le feuillet, vous allez trouver bien sûr d'abord l'horaire du temps des fêtes, les célébrations. Alors, n'oubliez pas de l'apporter, de le découper, de le placer sur votre frigidaire ou ailleurs comme aide-mémoire. Parce que c'est la fin de semaine et c'est toujours un peu plus compliqué, vous allez voir. Donc, et vous avez de très belles suggestions écologiques pour organiser votre arbre de Noël et pourquoi pas le bénir. D'ailleurs, il y a toujours de l'eau bénite ici, alors vous pouvez en apporter. Vous apportez votre petite bouteille et vous pouvez bénir vous-même chez vous, hein, l'arbre de Noël. Et vous avez aussi des suggestions écologiques pour faire des cadeaux. Alors, la première question, hein, c'est... En ont-ils besoin? En avez-vous besoin? Mais aussi, quoi acheter? Comment l'emballer? Hein? Donc, comment l'offrir? Alors, vous trouverez, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à le suivre avec intérêt. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, avant que ton Fils ne marche sur nos routes, tu as envoyé Jean-Baptiste préparer son chemin. Encore aujourd'hui, tu as besoin de notre audace et de notre foi pour faire entendre ta voix. Qu'ainsi, consolés et réconfortés par ta parole et ton pain, nous puissions marcher ensemble vers le jour du Christ, lui qui est notre avenir pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe qui m'entoure. Merci à la télévision communautaire. Au revoir. Bon dimanche. Bonne semaine.